humain que sur l'aide physique, qui nous a permis de récolter plus d'argent. Je suis très fière d'être la présidente de cette association, Eva Lavie. Merci à tous et à toutes. Je demande à Michel Voisin, celui qui vient d'arriver. Je me fais que passer. Il n'y a rien d'autre à dire que de lui dire bravo pour ce que tu fais, merci, continue. Je laisse la parole aussi à M. Combras. Ou M. Coco, l'un des deux. La hiérarchie. Madame la présidente, vous êtes très ému, monsieur le député, monsieur le conseil général, mesdames, messieurs. J'ai été un peu époustouflé cette année de voir combien de personnes ont répondu présentes à cette manifestation. Plus de 100 équipages de motards sur la place de l'église de Saint-Martin, un lieu où le père Bruno a fait une homélie fantastique qui a été applaudi. Nous avons été remerciés. Alors, je crois qu'il faut remercier les organisateurs, remercier les initiatives qui ont été prises pour un but très médical, pour s'occuper des enfants. C'est la troisième année consécutive. Et je crois que cette année, ça... pas le record du monde, mais le record local de la participation et des autres. Alors je crois qu'il faut vraiment vous féliciter pour tout ce que vous faites. Et c'est pas pour rien que le conseil municipal de Saint-Martin-du-Mont a voté à l'unanimité une subvention qui vous apporte vos aides, tout comme le comité des fêtes de Saint-Martin. Voilà, donc continuez dans cette voie pour le bien-être des enfants, pour les faire rêver parfois, comme c'était l'an dernier, il y a deux ans, pour emmener un enfant au bord de la mer qu'il n'avait jamais vu. Et ça, c'est merveilleux. Alors, félicitations à vous, et continuez dans cet état d'esprit. Merci beaucoup. Surtout à vous, Madame la Présidente, que je voudrais apporter tout le réconfort que vous méritez, parce que quand on a eu un accident dans la vie comme vous avez eu, vouloir s'occuper d'aider la recherche, parce que je sais, j'avais discuté longuement avec votre collègue l'an dernier. Le professeur Raphaël Rousseau, maintenant. Voilà, qui m'avait expliqué tous les besoins qu'avait la recherche, on connaît tous cette maladie, et aujourd'hui, même si ça avance, on a l'impression qu'il y a des progrès. Vous m'avez expliqué tout l'argent qu'il fallait, malgré que je crois qu'à Lyon, vous étiez pas mal servi dans le milieu, notamment Gérard. Et donc, c'est une chance que des associations, une commune, des amicales aident la vôtre pour pouvoir remettre un chèque que je sais, révéler le montant, qui est quand même très très conséquent. Et donc, j'espère que ça fera avancer la recherche, parce que je crois que c'est là et il faut... malheureusement encore, je pense, beaucoup d'années pour arriver à maîtriser cette terrible maladie. Voilà ce que je vais vous dire simplement, et je voudrais vous féliciter pour votre action, parce qu'effectivement, vous auriez pu vous retrancher chez vous, ne plus sortir, au contraire, vous battez, et je crois que c'est pour cela que vous méritez tous les applaudissements de l'assistance. Voilà, je vous remercie.